Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mondus Bellicus, site et forum francophone de jeux d'histoire et de stratégie, et évidemment de petites perles comme Mountain Blade Warband. C'est l'onti patapon pour l'épisode, je sais plus, le 13, j'espère qu'il va me porter chance, sur Brighton Walda version 1.41, sur ma campagne Ira Emma Henry. Allez, c'est parti, on charge. Alors attendez, avant de charger la partie, je souhaiterais vérifier les options. Ouais, ça. Et afficher une bannière en dessous, indiquer les pertes, indiquer l'expérience. Afficher les dégâts, non. Afficher les dégâts, non. Non, non, c'est bon. Parce que comme je joue aussi sur d'autres versions, évidemment, des fois je change de choses. Alors, c'est bon. Je change les options. Alors, c'est bon, on y va. On charge la partie. Hop. Alors, vous rappelez peut-être le dernier épisode. Où la guerre entre le Cantoir et la Saxe du Sud s'était prolongée et où nous avions pris le château ici, ici de Rophaes Siaster. Alors, ici j'étais parti me faire un petit peu d'argent. Alors, place du marché, je crois que j'avais déjà vendu mes affaires. Oui, sans doute. Oui. J'avais vendu. Par contre, il faudrait que je vire ces putains de flèches de feu qui n'ont aucune précision. Faudrait que je vais aller voir un petit. Je vais faire un petit tour chez l'armurier quand même. Le marchand d'armes. Est-ce qu'il aurait des flèches sympas? Flèches de feu de merde. Flèches de feu en plus en mauvais état. Arc de chasse, précision 85, de la merde. Arc de chasse aussi, il est là. Arc long et craquelure. Moins 5 de dégâts. Ouais. Dégâts 17. Dégâts 20. Précision 90. Dégâts 17, précision, moins 5 de dégâts, précision 99. Bon, allez, on va garder celui-là pour le moment. On verra ça après. L'auberge, je pense que j'ai dû aller faire un tour. Ouais. Rien d'intéressant. On se casse. Alors. Un petit peu de business ici. Et sur Siren Siaster. Hop, acheter des provisions. Ah, de l'argent, bien. Acheter quelques bestiaux. On va en acheter deux. On va aller sur abattre les bêtes. Et je vais voir si je peux pas équiper quelqu'un de ce bonnet phrygien là que j'ai. Non, lui il a déjà quelque chose. Ah bah tiens, voilà, elle va avoir froid à la tête la pauvre fille. Alors, laissez-moi voir votre équipement. Ah ouais, t'as un truc comme ça. Plus 7, plus 2, plus 10. Allez. On continue d'avancer. On continue. Je l'ai chopé la bête, oui. Alors, on va passer la nuit ici. Acheter des provisions, la pierre, ouais. Des bestiaux, 200, on en achète une. Abattre. Et go to Siren Siaster. Alors, place du marché, marchand de biens, il a de l'argent. Ça, on le vendra mieux plus tard. Ah, la peau, oui. C'est quoi que j'ai vendu là? Oui, c'est de la peau. Hop, hop. Pff, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Ça, je m'en fous. Ça dégage. Ça. Combien? 2004. Ok. 2650. Ah, là.
ça suffit. Quoique, il serait peut-être plus malin de faire ça. Devant ça à la place, ça à la place, ça à la place. Allez. Alors, le négociant d'armes, est-ce qu'il a des flèches ou un arc? Arc de chasse de merde, arc court, 90, 85 de précision, d'accord. Arc de chasse avec craquelure. Et flèche, grand carquois de flèche de feu. Retour, demi-tour, auberge. Ah, nous rencontrons quoi? Des frondeurs. Neuf de mes compagnons et moi, nous sommes à la recherche d'un maître. Cela vous coûtera 1700. Bah, je vous prends. On se casse. Quitter. Et là, on va revenir lentement, mais sûrement, vers là où on se castagne, c'est-à-dire vers le comptoir. On va s'arrêter ici, tout d'abord. Qu'est-ce que c'est ça? Des fermiers. Ouf. La caravane. Ah oui, c'est vrai qu'on si on peut attaquer aussi les caravanes du comptoir, ce serait bien. Et alors, faudrait qu'on en trouve. Alors, acheter des provisions. Poisson fumé, j'en ai déjà. Ouais, on s'en fout. Acheter des bestiaux. On va y en acheter deux. Quitter. On les tue. Et on va à Dorchester. Alors, vous êtes un célèbre meneur d'hommes et un groupe de jeunes nobles souhaite se joindre à vous, mais ils réclament une somme, une solde plus élevée que pour le reste de votre troupe. Les tuer? On a aussi un très bon butin. J'ai déjà une sale renommée. Bon, ils sont les bienvenus, mais combien ils vont me coûter, ces braves? Allez, on va les prendre, mais j'ai peur. J'ai peur, combien ils vont me coûter? Alors, place du marché. Marchand de biens, tiens, 480, ça c'est bon, 307. Ah, par contre, il n'a pas beaucoup d'argent, le salaud. 291, viande du jour, viande du jour, viande du jour, viande du jour. Et quoi? Et ça? Bon, allez, on lui fait cadeau d'une trentaine de shillings. Alors, négociant d'armes, est-ce que j'ai des flèches? Grand carquois de flèche, alléluia! Plus 13, maximum de puissance en dégâts. J'achète. Allez, les flèches de merde, ici. Ensuite, arc court. Arc de chasse, arc de chasse, arc de chasse. Ah, il n'a pas un arc. Il ferait vraiment un arc à 99 de précision, ce serait bien sympa. Enfin bon, là pour le moment, j'en ai pas. Demi-tour, un petit tour à l'auberge. Un voyageur, ici un rançonneur, ici un espion. Ah putain, les espions ça coûte bien trop cher. Et oui, ça coûte super cher à entretenir. En plus, j'aime pas les mecs avec des taches de rousseur. Désolé. C'est non. Alors, quitter la ville. Et on va filer sur. Eh ben, si on pouvait aller sur Lundenwick, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'il a à nous vendre, lui? Acheter des provisions. Bottes de lin. Ah, 198, elle est pas chère. Acheter des bestiaux. Bon, on en achète un. Eh bien, il est là, le bestiau. Abattre. Hop! Ah, j'en aurais tué des bestiaux pendant cette aventure. Hein. Alors, acheter des provisions, rien d'intéressant. Acheter des bestiaux. Ah, faut en acheter une. On continue ici. On abat les bêtes. Une. Et on file. On file sur. Tiens, on pourrait aller faire un petit tour ici. Histoire de recruter des troupes. Ainsi, dans Frontalier, aux dernières nouvelles, les villageois de Ecclesia Hill ont enlevé une femme
d'une famille importante de Liane Forfael pour lui faire épouser l'un de leurs fils. Que la rumeur soit vraie ou fausse, vous savez une chose. Cet incident, apparemment mineur, a soulevé les passions entre le pays d'Alcult, rendant plus facile une déclaration de guerre contre Crafou. D'accord. Guerre contre Crafou. Pilleur franc à l'attaque. Merde. Le roi Kulfitrul Winning souhaite vous informer que les seigneurs de Saxe du Sud assisteront à un banquet dans sa grande salle de Rofaes et Aster et vous invite à vous joindre à cette auguste assemblée. Eh bien, on arrive. On laisse tomber les machins. On arrive. Votre notoriété, pardon, et votre popularité attirent de jeunes nobles et votre cause. Les accepter. Vous traversez une insignifiante localité au hasard de votre chemin. Vous donnez un coup de pouce au hameau pour annoncer que vous allez parrainer un artisanat de couture et un concours de broderie. Et récompenser généreusement celle qui produira les plus brillantes et les plus belles tuniques. Ah bah oui. Récompenser leurs efforts et inviter la gagnante sous votre tente. Réprimer l'ancien pour n'avoir pas pris l'affaire au sérieux. Des tuniques bonnes pour les chiens, mais vous félicitez l'ancien. Allez, vous perdez 500 shillings, enfoiré, la renommée est importante, votre renommée augmente de 4. Vous obtenez tunique de laine, tunique pourpre. Ah, bon, bah on vendra ça si on peut. Par contre, combien j'ai d'argent du coup? Ah ouais, plus rien, et puis ça me coûte 7000 à chaque fois. D'accord. Alors, on va vendre ici. Place du marché, marchand de biens. Donc on a une tunique à vendre, 84. On va te la vendre, allez hop. Et 180. Ah putain, il a pas d'argent. Il a pas d'argent. Pas cool. Pas cool, on se casse. Ok. Alors j'ai pas. Il a pas d'argent. On va aller sur l'une de Wick et après on va aller là-bas. Puisqu'il y a un banquier qui nous attend. Nous allons pouvoir festoyer. Alors, après consultation des pairs, oh putain, a décidé de confier cette âme au major royal, et ben ouais, donc c'est pas pour ma gueule encore, putain, chier. Alors, Lundenwick, place du marché, marchand de biens, lui il a de l'argent par contre, dépôt, hop, de la vente bovine de la veille, dépôt, la tunique en laine, la tunique pour pronom, on se fout complètement. La grande lance en mauvais état, on s'en fout aussi. Ça, du coup, j'en ai plus besoin puisque j'ai ça. Et je vends ça et ça. C'est bon. Ah oui, ça passe. Et lui, ça passe aussi. Ok. Alors, marchand d'armes, est-ce qu'il a un arc intéressant? Arc court, arc de chasse. Demi-tour. À l'auberge, qui y a-t-il? La pute. Eh ben non, j'ai pas d'argent pour ça. Et lui, combien? 4 de mes compagnons et moi. À la recherche de maître, cela vous coûtera que 890. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de thunes, mon gars. Mais bon, je te prends quand même. Allez, on va donc festoyer. Ici. Excusez-moi, monsieur, j'aimerais vous dire quelque chose. Ah, monsieur, depuis que je vous ai rejoint, je me suis battu pour vous acharnement, avec acharnement et dévotion. Cependant, je n'ai pas toujours été récompensé à ma juste valeur. Alors, je rentre chez moi avec l'espoir que ma sentence soit levée. Puis-je peut-être... Peut-être puis-je vous persuader de changer d'avis. Très bien, je vous écoute. Allez, 293 shillings, c'est appréciable. Alors, je suppose que je peux rester encore un peu et voir si les choses s'améliorent. Ouais. Il est toujours en toi, en plus qu'il est en train de te plaindre. Ah, qu'est-ce que c'est? Les ennemis. 108. Il fuit. Ils ont peur. Alors, grande salle d'honneur. Je me suis trompé ou c'est pas ici qu'il y avait un banquet? C'est pas ici qu'il y avait un banquet. C'était où le banquet? Je m'en rappelle plus. Merde. Je ne me rappelle plus. Après consultation, le roi a décidé de confier le titre de maréchal au prince machin. Eh ouais. Merde.
J'ai mal lu, sans doute, ou lu trop vite. Ah bah oui, donc tout est distribué. Qui c'est qu'il y a ici, la grande salle d'honneur? Il n'y a personne. On va aller parler à la dame. Vous êtes qui? Altelbur. Ouais. Bonjour, alors, petit patapon. Alors, qui c'est déjà celle-là? Je suis la femme légitime. Ah, ce serait bien. Je voudrais. Non, non. Non. Pourrais-je en faire? J'aimerais améliorer. Ah, voilà. Améliorer mes relations avec un seigneur. Pouvez-vous m'aider? Désolé, je ne vous connais pas assez pour agir en votre nom, petit con. Que puis-je faire pour gagner vos faveurs? Non, Elrond, petit patapon. Je n'ai pas besoin d'un champion pour dans l'immédiat. Bon, eh ben, casse-toi, salope. Putain, c'est bonne femme, hein? Hop! Tiens, pour la peine, je pisse contre le poteau. Allez, allez, on va rendre visite à la jeune fille. En plus, c'est vrai que j'ai appris un poème. Les gardes vous observent et vous gardez bien de leur demander la permission d'entrer. Bon, ben d'accord, on se casse. Ok, bon, bah tant pis. Alors, allons à Seal Hey. Un silence frontalier. Aux dernières nouvelles, les villageois de. Oh là 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 là. Pile gouin gouin gouin. On croit cambrioler un château de. Que la rumeur soit vraie ou fausse, vous savez une chose, cet incident apparemment mineur a soulevé des passions dans le Bree Shen Yogg, rendant plus facile une déclaration de guerre contre Gwent. Bon. Faction éliminée. Ces religions n'est plus. Le roi est là, on dirait. Ah, il est là, on va aller lui rendre visite. Votre Majesté, je suis en retard pour le banquet. Mais peut-être reste-t-il des miettes. C'est bon de vous revoir, Elro, petit patapon. Qu'est-ce que c'est? Alors. Qui devrait être nommé maréchal du royaume? C'est mon ami le prince machin, tel est mon choix. J'ai choisi le plus valeureux de nos nobles, une personne en qui j'ai confiance et dont le nom n'est pas sujet à controverse. Permettez-moi de vous dire qui je soutiens. Qui soutenez-vous? J'aimerais présenter. Ah, faut lui lécher le cul un peu. Ah, va lui lécher le cul. C'est gens très gentil de votre part, mais je ne cherche pas les honneurs et je décline donc votre soutien. Bon, d'accord. Et si c'était moi, si je me propose moi? Ah, c'est très intéressant. Puis-je vous convaincre? Excusez-moi, je ne veux pas entacher mes relations avec le prince machin. Bon allez, on va aller faire un petit tour du côté du comptoir, voir comment est défendue leur capitale. On va aller voir ça. Pam pam pam. Là-bas, la place du marché, marchand de biens. J'ai rien à lui vendre, donc ça va très bien. Négociant d'armes. Est-ce qu'il y aurait un arc sympathique à acheter? Arc de chasse. Arc court avec craquelure. N'y a pas d'arc sympa. Bon. Allez. On va aller faire un petit tour du côté du comptoir. Oh là 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 là, 4120, enfin moins. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des pilleurs francs, on se les fait. On y va. Ah, le prince vous fait savoir qu'il veut que vous rejoigniez sa nouvelle campagne militaire. Vous devez emmener au minimum 12 soldats dans l'armée, bon, c'est bon. Et vous recevrez l'ordre d'entraîner plus d'hommes en temps et en heure si vous n'en avez pas suffisamment. Alors, où c'est qu'il est, ce prince? Maintenant, il faut le trouver. Il faut le trouver. Et on va pas se le faire avant. Ah merde, vous êtes tombé dans une embuscade. Vous êtes 87 en état de vous battre contre l'ennemi au nombre de 39. Oh, une embuscade. Pas cool, pas cool. Eh bien, on va les désembusquer. C'est parti. Allez, on y va, tout le monde vous chargez là, on y va, on les extermine ces enfoirés! Ah oui, pour le moment, recule le cheval! Merde! Putain! Pas cool!
J'arrive, je vais t'aider. Bon, enfoiré. Ah oui, d'accord. Non, non, voilà moi. Allez. Il est mort. Où c'est qu'ils sont? Ah, je crois que les embusqués se sont fait débusquer. Pour le coup, je crois qu'on les a éclatés. Dis-toi, Osmoun. Putain, où c'est qu'ils sont? J'en vois pas un. Allez, voilà. Oh là, il est en train de prendre mal, lui. Tête. Il y en a encore? Mais oui. Comme d'hab. Victoire. Bon, alors, en haut, 18 francs. Ça va nous rapporter des sous, 18 francs. Pardon. Et un capitaine boucanier capturé. Est-ce que j'ai du monde qui monte chez moi? Ah, j'ai lui qui pourrait monter. On va le monter en cavalier. Un cavalier de puce. Les aides de camp qui peuvent devenir chasseresses. Parfait, ça. C'est tout? Bon. Là, par contre, on peut aller vendre cela. Confirmé, enterrer et brûler les morts. Ah oui! Oh oui! Oh yes! 32, 13, 33, 17. Mais ça, ça peut être donné, ça. 16. Bon, j'ai mieux, mais là, je vais pouvoir équiper mes compagnons. Ça, c'est cool, ça. Belle armure. Je vais voir si elle est intéressante à garder ou pas, pour moi. Armure Lorica, Requiert Force 11, Requiert Force 10, 40 à la protection du torse, 3 à la protection des jambes, 42 à la protection du torse. Poids 19 kg, hein. Je vais avancer à 2 à l'heure. Je préfère garder celle-là. Mais bon, c'est intéressant. En plus, prix de vente 2100. Je me demande même s'il n'est pas plus intéressant de la vendre. Voyons ça. Javelot remarquablement équilibré. Javelot en mauvais état, donc on va prendre le remarquablement équilibré. Chaussures de notable, ça je m'intéresse pas. 30, 23 de protection, je suis à 34. Bon, on va équiper nos troupes. Vous avez obtenu 279 shillings. Ok. Incident frontalier. Aux dernières nouvelles, les villageois de Pompoclitain ont enlevé une femme d'une famille importante de Campodunum pour lui faire épouser l'un de leurs fils. Que la rumeur soit vraie ou fausse, vous savez une chose, cet incident apparemment mineur a soulevé les passions dans le Penguern, rendant plus facile une déclaration de guerre contre Lindisware. Ok. Oh, il y a encore des pillards là, c'est trop cool. Ah ouais, mais il y a l'autre qui m'attend aussi, hein. Mais enfin bon, si on pouvait aller se les faire au passage, ce serait beau, quoi. Ah ben merde. Ah merde, ils vont distancer du coup. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez aucune chance contre nous, rendez-vous maintenant, vous doutons tous. Mais ils sont combien? Vous êtes 66 en état de vous battre contre l'ennemi au nombre de 62. Ça va être chaud. Et lui, il m'a eu par surprise, le salaud. Hein. Alors, option du commandant, motivez vos hommes avec un discours enflammé. Vous observez, vous cheminez entre vos troupes. Tout en parlant, vous regardez chaque homme dans les yeux, cherchant à communiquer l'intensité de l'instant.
N'oubliez pas vos enfants et vos femmes, n'oubliez pas vos foyers, vos ancêtres, n'oubliez pas vos dieux, et pour que... Et tout ce que pourquoi nous combattons aujourd'hui, nous sommes ici pour bâtir un monde meilleur. Les hommes qui nous attendent le savent, ils ont peur de notre détermination, ils ont tellement peur qu'ils vont chier dans leurs pantalons et s'agiter comme des feuilles incapables de tenir leur lance. Hommes, je suis avec vous, avec mon épée et mon bouclier, avec mon sang, avec ma sueur, fier d'être avec mes titans. Hommes, notre destin nous attend, il est temps de le saisir. C'est beau, hein? Allez, on y va. Ok, alors, ici, on va se mettre là, pour les attendre le mieux possible. Mes archers, vous allez me tenir la position ici. Non, pardon, c'est les infanteries, ça. Alors là, c'est l'infanterie, donc elle vient ici, l'infanterie. Archer, vous allez me tenir la position ici. Infanterie. Resserrer les rangs. Cavalier, combien j'en ai? Quelques-uns. Ok. Archer. Ordre de tir. Pardon. Archer, ordre de tir, feu à volonté. Alors, est-ce qu'ils vont venir ou est-ce qu'ils vont nous attendre, nous? Cavalier, vous allez me suivre. On va essayer de les harceler. Dès qu'on les voit, on se casse. S'ils arrivent, s'ils approchent. On va essuyer les cavaliers là. Ouais, je suis pas tout seul. Hein. Ah, c'est bon. Ils sont là qui nous attendent aussi, les salauds. Ah, d'accord, on peut y passer 2 heures. Ok. Infanterie. Vous venez ici. Archer, vous venez là. Ils arrivent. Alors, en plus, ils sont sur une truc. Alors, est-ce que je peux, à la limite, faire tout le tour avec ma cavalerie? Mais ça va prendre beaucoup de temps. On va peut-être essayer de faire ça. On va peut-être essayer de faire tout le tour avec ma cavalerie. Je dispose mes troupes là. Le problème, c'est que ce sont mes archers. Qu'est-ce que je fais? Là, ça aurait presque le coup avec ma cavalerie d'aller leur péter la gueule par derrière, pendant que mon infanterie charge par devant. Voilà mon infanterie qui arrive, suivi de mes archers. Ok, on bouge plus. Ils peuvent tirer mes archers, non? Si, on dirait qu'ils tirent. Excellent! Certains tirent. Pas tous. Ils ont pas de tête. Pas tous. Des arcs assez longs. Feu à volonté. Si je leur mets en feu à volonté, est-ce que tout le monde tire? D'ailleurs, il y en a qui sont chez les archers, mais ils n'ont rien à faire chez les archers. Ah si, peut-être qu'ils vont défendre. On va les faire avancer un petit peu. Avancer jusque là où les archers. Il n'y a qu'un seul qui tire. Bon. Cavalerie, suivez-moi. On fait le tour.
faut à tout prix, quand je monte de niveau, que je monte mon niveau de cavalerie pour avoir un destrier un peu plus costaud. Alors, on va faire le tour complètement. J'espère que je peux passer derrière là-bas, que je suis pas en limite de map. Si on passait derrière cette rivière là, enfin, cet étang plutôt, je sais pas ce que c'est, même pas une rivière. Et après on va remonter derrière la colline là-bas. Là, on est au bout de map, j'ai l'impression, oui. Donc, il va falloir jouer serré. Le problème, c'est que ouais, même si on charge ici... non, c'est une erreur. Si, il y a un passage à peu près plat qui peut permettre de nous lancer là. On dirait qu'ils nous ont pas repéré en plus, nickel. Ouais, c'est pas mal là. Alors, les archers, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Si je vous rapproche ici. Par contre, je vois pas du tout où sont les troupes. On va tenter le coup. Ah, merde, je me trompe à chaque fois de touche. Est-ce que mes archers sont avancés? Est-ce que du coup, ils vont tirer? Ouais, ils s'avancent. C'est bon, ils vont tirer, là. Et ils sont même tirés dessus, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce qu'ils font? Infanterie chargée. J'espère que c'est quoi qui arrive là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont pas le jeter dans la gueule du loup. Archer. Ils jettent dans la gueule du loup, putain, les cons. Cavalerie, on y va. Oh, il avance pas mon cheval hein. Ah, l'autre qui me coupe la course en plus. Putain, ce sont mes archers qui sont en train de se faire démonter. Mais comme j'ai joué comme un pied sans doute, non? Fumier là. Ah putain, je touche à rien du tout là, mais je suis nul. Bon Dieu. Prends-toi ça, toi. Et toi ça. Oh là là, j'ai l'impression que j'ai perdu pas mal de troupes quand même, hein. Il y en a encore un là. Il avance pas, c'est une plaie. Ah bah oui, forcément. Putain, je l'ai pas tué encore. Ah bah c'est moi qui ai pris. Ah bah oui, par lui, d'accord. Putain, mais ils sont indestructibles ces mecs. Foiré.
Voilà, on l'a calmé celui-là, vous êtes victorieux. Ces liens, ils sont mécontents, eux, qu'est-ce qu'ils ont encore? Alors qu'on les a éclatés. Oh, on va se faire de la thune là par contre. Par contre, plus que 47 soldats. Ih, pas bon. Pas bon, pas bon. Pff, ah merde. Qu'est-ce que c'est qui rapporte le plus là? On va prendre un sonneur machin et puis on va le capturer lui. On va prendre ça. Pof. Capturer. Ouais, je fais la capacité maximum du groupe. Alors, qui peut monter en niveau? Toi. Allez, je te monte comme ça en saxon machin. Les gardes. En cavalier. Frioc. Ah oui, je peux pas lui parler là pour le moment. Ici, je peux pas. Ok. Et là, je pourrais pas. Ok. Confirmé. On soigne. Ouf. Ah ouais, mais j'ai plus de place. Aussi. Arc court, ça m'intéresse pas. J'ai mieux. Bouclier. Putain, il y a plein de trucs intéressants. Ça, on s'en fout. Ouais, ça on le revendra toujours. Casque avec rouille, casque de cuir de sanglier en loch. Et au niveau des armes, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. 9, 13, trophée de bataille. On va le prendre. Un trophée de bataille, tunique de manant, on s'en fout. Bouclier, ça se revend. Ça se revend. Ça se revend. Rien ça. Ça se revend, même ça s'équipe pour les soldats. Ça se revend, les plus de place, ok. Retour. Qu'est-ce qui se passe? Obtenu 500 shillings. Vous avez atteint le niveau 13. Ouh, ouh, ouh. Alors, excusez-moi, capitaine, mais j'aime pas cela, que chaque bataille se transforme en bain de sang pour nos hommes. Oui, c'est vrai que là, on en a perdu quelques-uns. J'ai suivi les armées, les groupes armés pendant 30 années, et le moins qu'on puisse attendre d'un chef, c'est qu'il nourrisse ses hommes, qu'il les paye et qu'il fasse de son mieux pour garder ses pauvres fesses, leurs pauvres fesses intactes. Ah oui, allez, je suis d'accord. Votre crâne me servira de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas peur de vous, je vais vous combattre. Vous êtes... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes 17 en état de vous battre contre l'ennemi au nombre de 26? Mais d'où ils sortent? Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais proposer au commandant adverse, peut-être. Option du commandant, j'en ai pas. Se retirer, laisser des soldats pour couvrir la retraite. C'est très glorieux. Continuez, le sacrifice de ces hommes sauvera les autres. Courage, fuyons, votre groupe pervers en morale. Oh putain. Bon, je me casse. Et je vais aller les vendre, tous ces gens. Et je vais essayer. Capitaine, j'apprécie pas de fuir le combat. Oui, bah ta gueule, hein, ça va. Regagne le rang. Déjà, je vais vous équiper. Et vous réarmez tous. Alors, berger, chasserèche. Utan. Il est blessé. Est-ce que je peux l'équiper un peu mieux que ça? Lui parler. Laissez-moi voir votre équipement. 13-4. Ça, je la revendrai. Ça vaut le coup. J'ai trop besoin d'argent. 21. Paf. Tiens, toi, tu prends ça. Est-ce que tu peux prendre un javelot? Non. Une hache de lancer, non plus, et oui, forcément. Lance légère en mauvais état, ce sera toujours mieux que ton bâton. Toc. Hop, retour. On continue à avancer. Gwynlan, attends de parler. Pourquoi vous pouvez dire au sujet de vos compétences? On va te monter l'intelligence, et ce serait bien. Et merde! Te montrer ça et la gestion d'inventaire. Hop, confirmé. Laissez-moi avoir votre équipement, Gérabi. 16-1, j'ai sans doute mieux. 28-4. Voilà, chérie, te voilà équipé. Regarde, un beau casque. Plutôt que ce truc merdique sur la tronche. Et j'ai peut-être une arme à te donner. Ça, tu me le dégages. Non, c'est très bien ça. Par contre, javelot, j'imagine que tu peux pas. Voilà. Et là, il n'y a pas de choses à te mettre. Non, mieux que ça. De toute façon, 15, c'est déjà pas mal. On continue à avancer. Toi.
Que peux-tu me dire au sujet de tes compétences? En bouclier, tu as combien? 2, donc je pourrais t'équiper. Je pourrais peut-être te monter en intelligence, voir si tu peux monter la tactique. Non, dommage. Donc, ça m'intéresse pas. On s'en fout, là. Allez. Hop. Et laisse-moi voir ton équipement, mon brave. 20 plus. J'ai pas chopé des boucliers. Si, tiens. Mais ça, c'est un petit bouclier. Taïka 140. Non, tiens. Voilà, équipe-toi d'un bouclier. On continue à avancer. Gulan, je l'ai. Cialine, tiens. Parlez. Toi, je vais t'équiper d'un petit truc un petit peu mieux. Force 1. Puissance de frappe. Arme à une main. Et arme de bras. Ah, arme de bras. Laisse-moi avoir ton équipement parce que là ton truc il a l'air un petit peu pourri. J'ai 16-1 à te filer. Tac, tac, tac. Un grand couteau de merde. Il n'y a pas grand chose d'autre. Javelot en mauvais état. Javelot robuste. Et là j'ai quoi là. Hop, on va lui mettre celui-là ici. C'est 33. Là il a que 23. Allez, on va équiper quelqu'un d'autre. Il a un bouclier. On continue à avancer. Toi, t'as pas de bouclier, on va t'équiper. Si je peux, j'espère. Oui, des javelots peut-être aussi. Oui. On va t'en donner des bons, pourquoi t'en donner les mauvais. Ça plutôt que ça. Là, 17-2, 16-1, 15, hop, hop, hop. On continue d'avancer. Bodero, 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 non, il est déjà bien équipé, Bodero. Etine, il n'y a pas de bouclier. Alors, laissez-moi voir votre. Je ne sais pas si elle peut emporter un, par contre, c'est pas sûr. Et merde, non, elle peut pas. Javelot, non plus. Ah, Bodero, peut-être qu'il peut prendre un javelot, lui. Bodero, où es-tu? J'ai Friok qui monte aussi, mais il faut que j'aille voir Bodero. Alors, que pouvez-vous suivre vos compétences? Ouais, il est bon au commandement. Mais... en marchandage et en équitation. Allez. Hop, et maintenant laisse-moi voir ton équipement. Ah non, t'es bien là. Hein. T'es bien. Javelot peut-être. Voilà. Je vais lancer après tout. Ah non, il peut pas. Ok. On continue à avancer, et j'avais dit que je voulais voir Bodero pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ah oui, Javelot, il en a déjà un. Et là, Osmoun, qu'est-ce que tu as? On va voir si on peut te filer un bouclier. Tac. Ah merde, il peut pas. Pas cool. Non plus. Pas cool ça. Bon. Bon, toi c'est bon, donc toi tu peux pas en prendre, toi t'as un bouclier, toi, est-ce nécessaire de te mettre un bouclier? Peut-être, Marc. Laisse-moi voir votre équipement, quand tu seras au corps à corps, ce sera plus cool pour toi, voilà. Paf, au revoir. Lui il est bien arché, c'est bien. Et là, Frioc, il est bien tri, c'est bon. On se casse. Ah, mais moi aussi, je monte de niveau. Ah ah. Personnage. Alors, ce que je veux monter, moi, c'est mon équitation. Parce que elle est vraiment trop pourrie. Donc, comme je suis pas très intelligent, pour le coup, je vais monter mon intelligence. Je vais monter mon équitation pour monter à 2. Ce qui fait que je vais pouvoir avoir des chevaux un petit peu plus robustes. Et est-ce que je monte ma puissance de frappe? Là, j'ai peut-être des trucs un petit peu plus sympas à augmenter, comme la gestion d'inventaire. La persuasion. J'augmente ma persuasion. Et là, j'augmente un petit peu des deux. Et puis un petit peu l'arc. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons aller vendre tout ça et essayer de trouver ce... Ah, il est là. D'accord. Il est là, le prince. Et il y a une bataille d'entrée. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis pas en état de me battre. Putain de merde, crépuscule. Ah, on va camper, hein. On va se reposer parce que.
pas en état de se battre. Et ça se bat encore. Allez, on y va. On va peut-être récupérer 97%. Allez, on est un petit peu mieux. On y va, on va aider. Se battre avec le roi, mais ils sont à combien contre combien? Ah, vous êtes à 432. En état de vous battre. L'ennemi au nombre de 27. Oh, ça devrait le faire. Hein? Allez, on charge l'ennemi. Allez, tout le monde, suivez-moi. Joli le soleil, là. Hein. En plus, on l'a dans la tête. Ça va pas être facile pour nos archers. Allez. Ils sont là. Regardez-les. Ah non, ils sont pas là. C'était un effet d'optique, j'ai cru. C'était des herbes. Et ça arrêtait les champignons, Elrond. Alors... Où qu'ils sont? Ah, ils sont là-bas par contre. Voilà. Alors, mes archers, vous allez vous poster en par là, tiens, histoire de leur tirer sur la gueule. Là où vous me semblez un petit peu loin, par là, les archers, donc vous allez vous mettre. Cavaliers. Hein. Oh oh, ils sont là. Ouais, c'est pas la peine. Laissons les hommes. Laissons les hommes du roi aller se faire dépouiller. Laissons les charger. Oh, mes archers, j'en avais plein. C'est surtout eux qui ont pris. Quoi que pas mal aussi, eux. Hein. Elle est pas jolie, ma portée étendard là. Allez. Vous me tenez à position ici, là. Mes archers, vous allez avancer ici pour pouvoir tirer vous aussi. Mon infanterie, vous me tenez à position. Ils chargent pas, eux? Ah, allez, à vous de charger, là. Ah, je me suis pris un javelot dans le bouclier, je ne l'avais même pas vu. Allez, allez-y. On arrive. Allez, mon infanterie, chargée. Cavalerie, chargée. Oh, il a touché mon cheval, le salaud. Là, tu m'as allumé avant. Ah, mais je suis super efficace aujourd'hui. Ah oui, super. Mais... Victoire! On a donc gagné. Le roi va être content. Heureux de vous voir, Elrond petit patapon. Aujourd'hui, vous avez prouvé votre valeur en étant mon allié. Voilà, vos relations avec le roi se sont améliorées de 14 à 15. Ah ah, intéressant. Je me rends, vous avez gagné. Maudit soit ce jour. Vous êtes désormais mon prisonnier. Eh oui. Et par contre, ah oui, d'accord. Le comptoir, ça a baissé à 71. M'en fous, je suis leur ennemi donc. Il est joli son casque. Ah, je peux prendre personne d'autre. Je peux prendre personne d'autre. Merde. Par contre, je peux peut-être engager. Et oui, je peux recruter ce Saxon. Je recrute celui-là. Je recrute ce lancier. Un aide de camp. Et un Saxon. Recruté. Voilà. On soigne les blessés, on ramasse les morts. On a encore chopé un trophée de bataille. Une arme légère, un bonnet phrygien.
Alors là, on va aller voir normalement. Et bébé. On s'est barré. Et où le prince? C'est lui. J'aurais dû demander au roi où était le major. Bon, on va aller à Seal Ace déjà. On va vendre nos... tout ce que nous avons à vendre, et notamment nos... ah ouais, il me la prend qu'à 675, le salaud. Trophée de bataille, c'est de la merde quoi. $1400, hein. Ça m'a pas rapporté tant que ça. Une houlette, au revoir la houlette. Ouais. Bon bah tant pis, hein, on vend tout, de toute façon. Lui j'imagine qu'il a toujours pas d'arc intéressant à vendre. De chasse, non, toujours pas. Petit tour à l'auberge, normalement on devrait trouver un rançonneur, le marchand des slaves. Je vous ai apporté quelques prisonniers. 18, on les vend. Le capitaine boucanier, on vend. On vend. On vend. Et on vend. Et on pourrait pas le vendre. Dommage. Là, ils vont me rançonner ça. Hein. Ça va me rapporter un petit peu de sous-sous. Ok. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Mais moi de même. Ici, voyageur. Mercenaire professionnel. 3. Et nous sommes à la recherche d'un maître. Ça ne coûtera que 1132. C'est parfait. Je vous recrute. Et je... quitte la ville et je vais donc partir à la recherche du maréchal pour me mettre sous ses ordres et aller éclater un petit peu de comptoir. Voilà, donc écoutez, c'est sur cette vente d'esclaves que je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis à bientôt sur mondousbellicus.fr. Ciao, ciao!